pas de petite victoire. Explosion de joie du BPFC qui s'est enfin imposé face au FC Mantes. Score final 1-0. Ça nous redonne confiance parce qu'on a enchaîné quelques résultats négatifs. On a su retrouver la victoire et comme j'ai dit, voilà, on a gardé confiance, on a continué à bosser à l'entraînement. Des joueurs confiants, détendus, mais sur la pelouse, le jeu manque cruellement de force, d'entrain. Peut-être préférait-il se ménager à quelques jours des huitièmes de finale de la Coupe de France face à Lille. Un match très attendu par les supporters. J'y serai jeudi prochain, oui, bien sûr. Ça fait des années que je les soutiens, et puis j'étais ancien joueur ici, donc... Je lâche pas, je lâche rien, voilà. Ça nous fait une bonne pub pour nous, et puis Bergerac, c'est sympa. Pour une fois, on est les poussés. D'habitude, c'est très lissac. Les réservations battent leur plein. On a à peu près plus de la moitié des places qui sont vendues, donc il en reste encore. Mais je pense qu'à Libourne, on devrait avoir une belle chambrée. Ça sera très important que le public réponde présent, car si on veut rêver à un exploit, on ne le fera pas sans un public bergeracois. Bergerac-Lille, une rencontre historique. Rendez-vous à 21h jeudi soir au stade Jean-Antoine Mouettes de Libourne.